Mais pas la main sur le micro. Non, oui. Ben, on te voit pas trop. On voit pas trop? C'est-à-dire? Non, c'est pas trop. Là, c'est noir, quoi. Pourtant, là, on est pas surexposé, là. Mais il y a des rayons de soleil qui viennent arriver, du coup, ça fait un voyage noir. Ah, Marie, écoute. Hein. On va essayer de faire un truc bien. Voilà, on va changer d'angle de vue. Déjà, il n'y a plus le soleil, là. Donc, logiquement, c'est bon. Il n'y a plus le soleil, il devrait voir. Toi, tu vois pas bien parce que tu as le soleil derrière. On va leur poser la question. Bonjour les amis. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors, je me connecte un peu plus tôt. J'espère que vous entendez bien. Dites-moi simplement si vous entendez bien et si vous me voyez mieux dans cet angle de vue. J'attends que ma fille me dise la réponse de vos commentaires. C'est le premier jour du printemps aujourd'hui. Si, ça va. C'est bon, vous voyez mieux? Alors, vous voyez, je suis à l'écoute en fait de vos remarques, donc on va essayer de tester différemment. Voilà, j'ai plein de choses à vous dire ce matin. Déjà, je voulais vous dire que je voulais vous remercier parce que ben, ça fait 3 jours qu'on a créé ce groupe. On est déjà plus de 1200 membres sur le groupe, donc un gros merci à vous tous. On est en train de créer un mouvement qui va être unique. D'accord, un mouvement solidaire, et ça c'est vraiment l'objectif du groupe. Voilà. Deuxième point, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux qui ont rejoint le groupe depuis hier et qui vont faire leur premier cours aujourd'hui. Alors faut pas qu'ils s'inquiètent, on fait ce qu'on peut, hein, d'accord. On fait ce qu'on peut, moi je donne les consignes et après c'est vous qui suivez derrière. Voilà, donc no stress, on est juste là pour passer un bon moment ensemble. Troisième point. Je voulais vous dire qu'on allait un tout petit peu changer les règles du jeu. Ok? Alors, rien n'est difficile. Déjà, j'ai entendu vos remarques. Donc, je sais que c'est pas évident de mettre un commentaire pendant qu'on fait le cours avec le téléphone parce que ça nous coupe. Ok? Donc, ce que l'on va faire, tout simplement, c'est que pendant les pauses, si vous voulez mettre un commentaire sur le chat, vous pouvez. D'accord? À la fin du chat. D'accord? À la fin du cours, sur le chat. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que sur ce même chat, pendant le cours, avant le cours, après le cours, comme vous voulez, vous prenez une photo de vous et vous la collez sur le chat. Je vais vous expliquer pourquoi après. D'accord? Et bien sûr, en début de cours, là, maintenant, par exemple, mettez tous votre localité. Le pays, la région, la ville, ce que vous voulez. Ok, mais comme ça nous donne au moins l'éventail de toutes les personnes qui sont connectées avec nous. Alors l'objectif de la photo c'est quoi? Je vous explique tout simplement. C'est d'arriver à faire, et on va se mettre ce challenge ensemble, d'arriver à faire le plus grand cours collectif de fitness du monde. Ok, vous avez bien entendu? On relève le challenge? Je suis sûr qu'on va le relever. Imaginez qu'un jour on mette un col sur le mur, un cours collectif avec 2000 photos dessus. Imaginez un petit peu, on va faire le plus grand cours collectif du monde et ça va être une chaîne d'union, mais démentielle. Vous savez que l'union fait la force, donc on est tous unis là sur ce groupe pour ça. Enfin, comme vous voyez, j'ai changé d'angle de vue, donc j'espère que l'image est meilleure. Pour le débit d'internet, je suis passé en 4G là, pour essayer de faire en sorte qu'on ait plus de débit. D'accord, j'espère que ça marchera, que vous aurez moins de coupures, mais ça malheureusement, vous savez que je ne suis pas responsable du flux internet, donc j'espère que pour vous ça ne coupera pas et que vous aurez une bonne entente du son et de l'image. Enfin, j'ai entendu dans les chats que c'était très difficile de suivre le cours et que les transitions étaient trop rapides entre les exercices, donc volontairement je laisserai entre chaque exercice pour que vous ayez le temps de vous placer et je vais essayer de compter le plus possible et de décompter. Si vous voulez mettre une impression dans le chat quand je vous dis ça va, ça brûle, etc., ne vous sentez pas obligé de répondre, d'accord, sauf si vous y arrivez à le faire en même temps, sinon c'est pas grave, vous mettrez votre ressenti à la fin, c'est bien, c'est pas bien, ça m'a plu, ça m'a pas plu, peu importe, il n'y a pas de jugement, au contraire, on prend toutes les options possibles, ok, et bien sûr, ça vous permettra aussi de pouvoir suivre le cours intégralement. Voilà. Un autre point que je voulais vous signifier, j'espère que j'ai pas été trop long sur cette présentation. Un autre point que je voulais vous signifier, c'est que le cours va commencer
et que j'ai tenu compte de vos remarques qui m'ont fait mais mourir de rire. Voilà, je sais que vous avez mal aux cuisses, je sais que vous avez mal aux fesses, donc aujourd'hui, le but du cours, c'est les bras, la poitrine, le dos. Ok, vous allez voir, on va passer un super, super bon moment ensemble. Voilà, encore une fois, surtout, prenez soin de vous. Et on va commencer le cours dans à peu près 30 secondes. Mais avant ça, je voulais faire des big up à tout le monde. Alors, big up déjà à toutes les filles de Fitness Altitude, mon ancienne salle, qui se sont retrouvées sur ce chat. Que ce soit Nicole, Cécile, Maryse, Valérie, Martine, mais Martine, parce qu'il y en a plusieurs, d'accord, Mabribri, etc., etc., etc. Tout le monde se retrouve là, ça fait chaud au cœur de vous retrouver sur ce live. Voilà, ça c'est énorme, vraiment, vous voyez, la fraternité s'exécute même autour de chez moi, et ça c'est fabuleux. Et ça fait super plaisir, et il ne me tarde qu'une seule chose, c'est que ce confinement soit terminé pour qu'on puisse tous se retrouver autour d'un méga apéro. Un big up aussi à l'équipe de Montpellier, parce que hier j'ai une personne qui m'a dit, j'ai contacté tout Montpellier, alors je sais que Montpellier est dans la place aujourd'hui, donc je voulais dire un grand bonjour et une belle bienvenue à Montpellier qui nous rejoint sur Marseille pour ce cours. Je voulais faire un big up aussi à Marie Thureau et toute son équipe qui a rejoint aussi le chat. Vous êtes un paquet ici. Je voulais faire un big up aussi à mon ami Riab qui est sur la Belgique, qui a rejoint beaucoup de monde. Je voulais faire un big up aussi à Simone qui a rejoint le chat hier et qui a invité toute la Corse. Alors mes amis Corses, vous êtes sur ce chat aujourd'hui, super, on va bouger ensemble. Il me tarde de retourner chez vous d'ailleurs et de venir prendre le soleil et l'ambiance des plages chaudes et belles de la Corse. Et puis je voulais faire un big up aussi à Mélène Bernard qui a rejoint toute l'équipe et qui joue le jeu à fond, à fond, à fond en connectant un maximum de monde sur ce groupe. Enfin, je fais un big up général à toutes et à tous. Je ne vais pas tout dire parce qu'il y a trop de monde. Mais franchement, ça fait mon cœur. Vous me rendez heureux chaque fois que je me connecte sur ce groupe ensemble et qu'on fait fonctionner ensemble. Parce que ben, voilà, on est tous liés et on a tous des liens au travers de l'Europe. Il y a la Réunion qui est présente, il y a la Guadeloupe, il y a Tahiti, il y a la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, l'Espagne. Enfin, bon bref, j'en oublie encore, mais voilà, vous ne pouvez pas vous imaginer. Le mouvement, il est international bientôt et ça, c'est vraiment génial. Voilà, est-ce que vous êtes prêts maintenant pour le cours? Ce n'est pas obligé de me répondre, hein, parce que je vous sens. Je suis sûr que vous êtes prêts pour le cours. Donc, il va vous falloir un petit peu de matériel aujourd'hui. Toujours pareil, pour les mains, un petit peu de gel hydroalcoolique. Vous en mettez quelques gouttes, hop, et on a les mains propres. Et ça, on le fait toute la journée. Ça, c'est pour la protection contre le virus. Ok. Il vous faut une bouteille d'eau pour vous désaltérer, une serviette pour vous essuyer. Et puis, je vais vous laisser une minute, parce que comment on va faire le haut du corps? Il va falloir prendre une bouteille d'eau de 1 litre, ou pour les plus fortes et les plus forts, choisissez, d'accord? Donc à vos frigos pour prendre une bouteille d'eau, vous la mettez à côté de vous et je vous dirai quand est-ce qu'il faut la prendre, parce que pour travailler les bras, c'est bien d'avoir une bouteille d'eau. Ok, je vous laisse une minute pour aller chercher la bouteille d'eau, le temps que je cale la musique. Ok, et puis c'est parti pour le cours. Envoie la musique, Marie. Ah oui, j'ai ma fille qui est là, elle fait la tête parce qu'elle s'est levée tôt. Hein. Marie, essaie de monter qui veut bien en haut. D'accord? C'est bon? Ouais? On y va? On est parti? Allez, simplement, on va ouvrir la poitrine ici. On inspire vers l'arrière et on revient vers l'avant. Encore. Inspire vers l'arrière, reviens vers l'avant. Toujours. Encore une fois. Grandis-toi. Super. Et tu reviens. Regardez, c'est le jour du printemps. Il fait super beau aujourd'hui. Hein. Hop. Inspirez et revenez. Hop, inspirez ici et revenez. Encore une fois, inspirez et posez. Encore une fois, inspirez. Super. Hop, dernière fois avec moi. Vous inspirez, vous restez. Restez, restez. Et 4, et 3, et 2, et 1, on pointe. Pousse, 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 pousse. Simplement, tu fais ça avec les bras. Tu les montes. Ok? Super, tu bascules le poids du corps à droite et à gauche. Tu pousses ton corps, tu pousses tes bras. Super. Hop, encore un coin, on a les voisins avec nous en face. Encore. Hop, hop, Maryse, je te vois sur le balcon. Encore,
hop, 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 toujours, 4, 3, vous allez rester sur cette jambe ici et vous enroulez le bras, simplement, super, que ça, plusieurs fois, encore, excellent, super, on va bien chauffer le haut du corps, encore, encore, vous entendez bien la musique, je pense que oui, hop, allez, 4, 3, 2, 1, et on change. Super. Pousse les bras. Parfait. Garde ça. Ok, très bien. Excellent. Pousse tes bras simplement vers le haut. Tu restes sur cette jambe ici maintenant et tu enroules ce bras. Super. Excellent. Encore, encore. Très bien, continuez comme ça. On continue à chauffer sur l'épaule. Dernière fois. 4, 3, 2, 1. On passe. Pousse. Très bien. Si vous avez un décalage, ne vous inquiétez pas, il y a toujours plusieurs répétitions. Donc vous avez le temps de récupérer. D'accord? Ok. 4, 3, 2, 1. Encore. Super. Dernière fois. Hop, ici, tire les talons. Parfait, on y est tous là? Ok. Et on tire les coudes derrière. Tirez les coudes derrière pour travailler le dos. Ok, simplement ça. Voilà, super. Je sais que vous le faites là. Encore, encore. On tire, on tire. Super, impeccable. Donc aujourd'hui, le cours, c'est vraiment sur le haut du corps et les abdominaux et le dos, d'accord? On va un peu oublier les fesses et on va un peu oublier les cuisses, ok? Encore, encore, j'en ai encore 4, encore 3, encore 2, et ça, ça veut dire on repart du début. Pousse, super, encore, on pousse les bras là-haut, on reste ici et on enroule, yes, encore, hop, toujours, encore 4, encore 3, encore 2, encore un, on repart du début. On pousse. Super. Encore, encore. On chauffe bien le haut du corps. Hop. Dernière fois. 4. 3. 2. 1. On reste et on reste. On enroule. Super. Encore. On pousse sur la jambe quand même. Hein. Super. Ça va toujours. Je commence à se réveiller. Les muscles de l'épaule aussi, les muscles du dos aussi. Super. 4, 3, 2, 1. On y va. Du début, on pointe. Pousse, pousse. Dernier. Tu te rappelles le talon-fesse? On y va avec moi. Go. Bien. Super. Fléchissez bien sur vos jambes. Engagez vos. Tirez bien vos coudes pour travailler votre dos. Prenez le temps, no stress, no stress. Hop, encore, encore. Jambes 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu restes, reste. Enroule simplement tes bras comme ça. Fléchis sur les jambes. Rapproche au niveau des dos les omoplates. Encore, excellent. Super. Encore 4, encore 3, encore 2, encore 1, reste avec moi, hop, inspire, ok, relâche, encore, inspire, relâche, encore, inspire, relâche, dernière fois, inspire, relâche, reste avec moi, super, bois un coup, ok, voilà, et c'est maintenant que la bouteille d'eau va interagir, ok. Dans un premier temps, les biceps, c'est bien pour les garçons. Après, on fera les triceps pour les filles. C'est ce qu'on appelle les voiles. Vous savez, c'est ce qui tremble quand on prend le vent. Ok? Allez, on est parti pour les biceps. Est-ce que vous avez tous votre bouteille d'eau? Prenez-la dans la main que vous voulez, la droite ou la gauche. Mettez-vous debout. Serrez le coude contre vous. Mettez l'autre main sur la taille. 4, 3, 2, 1. On y va. Flexion de l'avant-bras.
on monte, on retient, on monte, on retient, encore, on monte. Alors si vous avez des petits matériels à la maison, vous avez des petites haltères, vous pouvez les prendre bien sûr, hein, d'accord. Mais là je fais pour tout le monde, et pas tout le monde a des haltères à la maison. Donc hop, avec une bouteille d'eau, ça fait l'affaire. Si vous êtes très fort, vous prenez 1,5 litre, voire 2 litres, d'accord. Et si vous êtes, vous commencez, vous prenez 1 demi-litre ou 1 litre, d'accord. Et vous allez voir, le biceps, il a travaillé ici. On serre, d'accord. N'oubliez pas qu'en sport, c'est surtout l'intention qui compte, d'accord. Si vous voulez bien travailler votre muscle, il faut juste l'intentionner. On a une maxime dans le fitness qui dit, c'est pareil pour les fessiers. Une fesse mal intentionnée est une fesse mal travaillée, d'accord. C'est pareil pour le biceps. Donc, intentionnez votre mouvement. Regardez, on pourrait même le faire à vide. On pourrait même le faire à vide et ça travaillerait aussi, d'accord. Ok. Bon pour vous? Allez, encore. Hop, super. Et 5, et 6, et 7. Et on reste petit ici. Presse, 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 presse. Excellent, presse, presse. On y va tout doucement. Vous allez voir que le cours va monter crescendo progressivement. Donc prenez le temps. Et si ça vous paraît facile, eh bien tant mieux. Encore. Serre, 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 serre. Toujours 5. Pensez à engager vos abdos, hein. 3 petits. 3, 2, 1, tu retiens. 3, 2, 1, tu retiens encore. 3, 2, 1, tu retiens encore. 3, 2, 1, on repart sur les grands. On y va. 8, hop, 7, hop, 6, hop, 5. Encore, encore. 4, écoutez, on va se faire comme dans le cocktail avec Tom Cruise, d'accord. On va changer de main, ok. Attention. C'est parti, hop, ici, yes, et on y va, on monte, on a changé de bras, c'est bon, c'est la même chose, ok. J'ai vu des bouteilles qui sont tombées, c'est pas bien, hein. Je sais qu'il y a des bouteilles qui sont tombées là, hop, encore, on serre. Ce qui est important, c'est que vous conserviez bien le coude plaqué contre le buste, d'accord, et c'est vraiment que l'avant-bras qui monte, hein. D'accord, ok, ensemble, encore, on serre, hop, serre, sentez votre biceps qui travaille. Les garçons, si vous prenez 1 demi-litre, ça ne marche pas, hein. D'accord. Les mecs, là, vous prenez tous 2 litres au moins, hein. D'accord. Ouais, ouais, les filles, je veux bien, mais les mecs, prenez au moins 2 litres dans la main, hein. J'en vois qui ont pris 1 demi-litre, hein. 1 demi-litre, ça ne marche pas, hein. D'accord. Encore, hop. Big up à Montpellier, big up à Marie, big up à Mélène, big up à Marie-Ade, big up à Patricia, big up aux filles de fitness. Hop. Et Montpellier, ça fait vachement plaisir quand ils m'ont dit ça. Ils vont tous rejoindre le groupe, hein. Encore 4. Encore 3, super. Encore 2, excellent. On reste tout petit en haut ici, on reste. Presse, presse. Big up à Brigitte Fox. Site internet, vous allez voir. Elle fait des choses superbes. Big up à Manano, big up à Salim, big up à Patrick. Hop, hop, big up à Marie-Laure, big up à mon choupinier. Hop, hop, encore, on presse. Presse, presse. Si je passe comme ça en revue les 1200, on va pas s'en sortir. Hein. Je vais m'arrêter parce que je sais qu'après j'ai ma copine Nano qui va m'appeler, mais arrête de dire merci. C'est bon, j'ai entendu. Et 4, et 3, et 2. Je compte 3 petits, et 3, et 2, et 1. Tu retiens encore. Ah, quand même, big up à Fabienne. Hop, encore, encore. Et 3, et 2. Et 1, n'oubliez pas qu'on est ici dans la joie et dans la bonne humeur. Il ne faut pas se prendre au sérieux, d'accord. Oh, ok, encore. Et 3, et 2. Il y a ma fille qui fait la régie et qui rigole. Je ne sais pas ce que vous marquez. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas être déconcentré. Hop, je regarderai vos chats après parce que chaque fois, ça me fait mourir de rire. Dernière fois, 3 petits, et 3, et 2, on repart sur les grands, c'est parti, go. En 8, super. En 7, excellent. En 6, très bien. En 5, encore, plus que 4, yes, plus que 3, super. Plus que 2, ok, le dernier, tu relâches, relâches. Ok, décontractez vos bras, ça va? Pour les biceps, on est bon? Ok, super. Ça, c'est la petite coupure qui vous permet de vous replacer. Pendant ce temps, je vous montre le prochain exercice. Très facile. On va travailler le devant d'épaule. Vous allez vous mettre les pieds joints dans le sol, les abdos serrés. Vous prenez la bouteille à deux mains. Vous allez monter devant, au niveau de l'épaule. C'est pas la peine d'aller là-haut, d'accord? Et c'est pas la peine de venir ici. Vous vous arrêtez au niveau de l'épaule, ok? Là, et vous redescendez. Vous êtes prêts? On y va? Allez. Et 4, et 3, et 2, c'est parti. On monte, on retient.
Pensez à engager vos abdos, d'accord? Hop, et gardez les bras légèrement fléchis, regardez. Hop, ici, on monte, on retient. J'ai pas les bras tendus comme ça, d'accord? J'ai les bras légèrement fléchis et je monte au niveau de l'épaule. Là, je vais travailler l'épaule, ok? Hop, encore, on serre, super. Pensez à engager vos abdos, fléchissez un peu sur les jambes. Encore, 8, 7, 6, vous allez sentir, ça va chauffer là, hop. C'est ce qu'on appelle, nous, en termes techniques, la ceinture scapulaire. Comme ça, en même temps, on fait un peu de théorie pratique d'anatomie et de physiologie, parce que je sais que j'ai mes étudiants qui sont sur le groupe aussi. Hop, encore. Hop, toujours. Super. On reste tout petit ici. Et presse, 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 et tu retiens. Lentement. Encore trois petits en haut. 3, 2, 1, tu retiens. Encore 3. Tu retiens. Encore 3. 2, 1, et sur les grands, c'est parti, 8, super, et 7, encore, et 6, très bien, et 5, toujours, encore 4, très bien, encore 3, super, encore 2, excellent, le dernier, ok, tu poses, relâche, enroule les épaules, j'espère que ça va, on va pas faire trop long sur les épaules, parce que ça brûle vite, d'accord, mais après on va faire le côté d'épaule et l'arrière d'épaule, ok, on va faire le tour de l'épaule, mais avant on va revenir sur le triceps. Vous savez le triceps là, c'est quand il y a du vent, c'est ce qui fait blablabla. Voilà, c'est ça là, ok? Donc on y va, on est parti ensemble, on va mettre un genou à terre, d'accord? Mettez le genou sur le tapis, prenez l'haltère ici, placez-la derrière, dans le dos, là, et la main vous la mettez dessus ici. Vous voyez le mouvement? C'est bon, c'est un peu technique, hein? D'accord? Donc on est ici, la main là, je sais, je ne me suis pas rasé sous les bras, désolé. Hop, on y va, c'est le confinement, qu'est-ce que vous voulez, même le confinement du rasoir. On prend la bouteille, on la monte et on retient. Monte, retient, monte. Alors si c'est trop dur d'avoir le bras derrière, d'accord? Si c'est trop dur d'avoir le bras derrière, continuez le mouvement, vous. On peut le faire devant, d'accord? On peut le faire au-dessus, comme ça. Si c'est trop dur, vous pouvez venir à ce niveau-là. Si c'est encore trop dur comme ça, vous enlevez la bouteille et vous faites juste le mouvement, d'accord? Vous pouvez faire ça aussi, ok? Ça va travailler pareil, d'accord? Donc je vous montre, très simple, il n'y a pas de poids, le bras est devant, c'est comme si on faisait coucou version reine d'Angleterre, d'accord? Le deuxième, c'est avec le poids et le bras toujours devant, ok? Et le troisième, plus difficile pour les confirmer, hop, on passe derrière et on descend au milieu du dos, ok? Ah, ici, et vous allez voir, oui. Ça va chauffer sur le triceps, d'accord? Ma chère Evelyne, j'ai mis ton short jaune. Hop, encore. 8, 7, 6, vous allez sentir, ça commence à chauffer là. 5, encore 4, encore 3, encore 2. Regardez, on reste petit en bas ici, on reste petit ici. Presse, 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 presse. Vous avez vu, tout petit en bas, vous voyez? J'espère que la régisseuse derrière qui tient l'écran, elle est à la hauteur, hein, d'accord? Et serre, 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 encore, serre, serre. Maintenant, on monte lentement, regardez, on monte. 1, 2, et on retient avec moi. Aïe, 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 1, 2, ça chauffe sur les bras. Encore, et 1, 2, hop, dernière fois. 1, 2, vous sentez comme ça brûle? Allez, sur un temps, on y va. 8, 7, encore. 6, encore, 5, encore, plus que 4, hop, plus que 3, super, 2, bien, plus qu'un, et tu relâches, waouh, vous avez senti le bras, il a chauffé, je suis sûr que vous avez senti le bras chauffer, d'accord, on est toujours bon, ça va toujours, vous avez toujours du son, vous voyez toujours aussi bien, vous avez récupéré, pensez, le fait qu'on ait fait qu'un bras, prenez l'autre bras pour boire, hein. Allez, on met un peu de temps entre les exercices, on se replace de l'autre côté, hop, vous vous rappelez, on prend la bouteille dans la main, on la place derrière, au milieu du dos, on peut mettre le bras ici si l'on veut, ou là, d'accord, et on est parti ensemble, d'accord, on y va, et 4, et 3, et 2, et 1, c'est parti sur un temps, on monte, on retient,
Monte. Alors continuez le mouvement et je vous montre toujours les trois options possibles, d'accord? Parce que vous avez tous des niveaux différents. Ça, c'est le niveau difficile, ok? On peut faire la même chose si vous avez un problème d'épaule, de souplesse au niveau de l'épaule, en ramenant la bouteille devant ici et on va chercher un peu moins loin, d'accord? On vient poser chaque fois sur l'épaule, ok? Et si vraiment c'est encore trop dur, ok, on lève le poids et on le fait qu'avec la main à vide, comme la reine d'Angleterre qui salue son peuple, ok? Voilà, la même chose. Hop, ici, voilà, comme ça, et ça travaillera pareil. L'important, c'est que vous tonifiez cette partie du corps, d'accord? Cette partie du corps qu'on appelle aussi, dans notre jargon, le dindon. Vous comprenez pourquoi on l'appelle le dindon, d'accord? Ok, encore, hop, ici, hop. Ici, encore. Hop. Ils ont tous très mal. Trichent, hop. Et allez, on passe derrière, on y va. Ils ont tous très mal. Tant mieux, c'est bien. La douleur est dans la tête, je vous l'ai déjà dit. Hop. Vous sentez votre haut du corps. Vous m'avez dit, je ne veux plus faire les fesses et les cuisses parce que j'ai trop mal. Ben, on fait le haut. Hop, on reste petit en bas. Hop, hop, tout petit au milieu ici, regardez. Hop, entre les omoplates. Hop, hop, encore. Hop. Je pense à notre ami Gaël, dont son fils fait le concours de parachutiste. Ça, c'est un bon exercice pour lui. Hein. Encore, presse. Ça commence à brûler, là. Et on monte lentement. Monte et retiens. Retiens. Et monte et retiens. Retiens. Encore. Et monte, retiens. Et sur un temps, c'est parti. On serre. Retiens. Allez, courage. On tient. On lâche rien. Et 4, et 3, et 2, et 1, et tu relâches. Yes! C'est fini. Ah. Tu les as perdus là, papa. Ah bon? Oui. Ils ont perdu? Oui, ils ont mal. Oh. Mais vous savez, le sport, ça fait mal sur le moment, mais ça fait du bien après. Ok? D'accord? Allez, je ne sais pas combien on est connecté, je ne sais pas combien il y a de monde. J'ai 128. Voilà, mais vous savez quoi? Tous ceux qui sont là, vous êtes les meilleurs avec moi là. Au top, ne lâchez rien, on va jusqu'au bout. Et vous savez quoi? Il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps ensemble là. On a commencé à la demi, le cours dure 45 minutes, ok? Donc il nous reste pour faire les pecs, le dos et les abdos. Alors, le courage, ok? Allez, je compte sur vous. On est parti pour la partie la plus difficile du cours, c'est celle-ci. Alors, je compte sur vous, vous êtes des warriors, vous êtes des compétiteurs, donc on y va. Buvez un coup. Pendant ce temps, je vous montre l'exercice. On va se mettre tous à plat ventre, ok? On va mettre les mains ici et regardez mes genoux. Ils vont rester dans le sol. On va décoller, d'accord? Et on va garder les genoux dans le sol. Pour celles et ceux qui sont habitués, on peut monter sur les pieds. Je vous avais promis des pompes. Vous allez avoir des pompes. Donc le départ est à plat ventre. D'accord? Départ à plat ventre. Ok? Voilà. Complètement. Les mains au niveau des épaules. Et là, on va travailler les épaules et la poitrine. D'accord? Important de travailler la poitrine. N'oubliez pas que c'est le premier jour du printemps et que bientôt c'est l'été. Le confinement sera fini. On sera tous sur la plage. En monokini, donc il faut tous avoir les seins qui montent. Hein. Et les messieurs, il faut tous des pecs bien carrés. D'accord? Donc on met les mains au niveau des épaules. On garde les genoux au sol. On serre le ventre au maximum. On regarde vers le sol. Et à mon signal, petite série, ne vous inquiétez pas. Mais on les fait tous. C'est parti. Et 4, et 3, et 2. Allez, go. On monte et on retient. Pousse. Yes. Pousse. Hop. Pousse, encore, pousse, bien, pousse, encore, pousse, hop, pousse, vous allez sentir vos bras qui travaillent, aïe, hop, encore, hop, regardez ici avec moi, bougez pas, hop, encore, en bas, en haut, et maintenant vous allez chercher loin derrière, hop, et vous revenez jusqu'au sol, encore, poussez loin derrière, et vous revenez jusqu'au sol. Encore une fois, poussez loin derrière et vous revenez jusqu'au sol. Encore une fois, vous et vous revenez jusqu'au sol. Encore, poussez loin derrière et vous revenez jusqu'au sol. Encore, poussez loin derrière. Je sais pas pourquoi, mais j'en entends qui m'insultent là. Hop, il y en a qui disent des méchancetés sur moi là. Allez, encore. On pousse et on revient. Encore, on pousse. Et on revient, encore, dernière fois, vous allez sentir vos pectoraux qui vont travailler.
Et on repart sur le précédent exercice, d'accord? Simplement, poussez, revenez. Poussez, revenez. Poussez, revenez. Poussez, revenez. Ok? Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et c'est terminé. Yes! Vous êtes les meilleurs si vous avez réussi à faire toute la série. Si vous avez coupé entre deux, c'est pas grave. Vous avez pris le temps de récupérer. Chacun va à son rythme. Inspirez ici pour étirer les pecs. Inspirez, inspirez. Poussez là-haut. Excellent, les gars. J'adore ce que vous faites. Ok? Allez, maintenant, on va travailler sur le dos, pardon. D'accord? Sur le dos et sur la taille. D'accord? Sur le dos et sur la taille en gainage. Alors, tout le monde peut le faire, et les personnes qui sont en rééducation du périnée, parce que je sais pas, d'accord, vous le faites aussi en serrant comme si vous avez très très envie de faire pipi, ok? Ça concerne en particulier les filles, ok? Donc vous allez vous mettre comme ça, je suppose que vous avez toujours tous vu Superman, d'accord? Je crois qu'il passe hier à la télévision, donc si vous ne l'avez pas vu, on va faire du Superman, ok? On va travailler les muscles du dos, regardez ici, on va décoller et on va aller chercher à droite, et à gauche, comme ceci, ok? On va faire comme ça 10 fois, d'accord? 10 fois, en comptant chaque bras, au bout de 10, on va reposer. Et on va faire ça 4 fois, donc 4 fois 10. C'est clair pour tout le monde? On est parti? On décolle les pieds, on serre les fesses, on serre le dos, et 4, et 3, et 2, Superman. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu poses. Ok? Ça, c'était un coup pour rien. C'était pour vous montrer. Ça a tendance à faire travailler aussi la taille, d'accord? Pensez à bien serrer les ados. Cette fois que vous avez vu et que vous avez compris, on y va tous ensemble, d'accord? Allez, 4. Allez, 3. Je vais compter. Allez, 2. Are you ready? So, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 et pause. Yes. 4, 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pause. Ok, c'est toujours bon. Let's go. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je sais plus en italien. Encore 4, 3, 2, 1, tu poses. Je crois que j'en ai fait une de plus. Hein. Hop, allez, on récupère. On y retourne pour la quatrième et pour la dernière. Ok? Et 4. Et 2, c'est parti. Go! Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Et tu poses. Yes! Maintenant que vous avez poussé sur vos mains, vous revenez ici. Maintenant que vous avez travaillé et sollicité tous les muscles du dos, ce qu'on appelle les muscles du rachis, d'accord? Ainsi que ce qu'on appelle les muscles du dentelé, les muscles de la taille en particulier aussi. On va terminer le dos ensemble. Vous allez vous mettre à genoux sur votre tapis. Vous allez reprendre votre bouteille. D'accord? Mettez la main au sol. Et imaginez que vous sciez du bois. D'accord? Bon, je sais que ça se fait plus au Canada. Bonjour aux Canadiens qui sont connectés. Donc, ici, il faut scier du bois. D'accord? Imaginez qu'on scie du bois, on scie des tronçons de bois. D'accord? Ok? Mais on va le faire lentement parce qu'on va maîtriser le mouvement. D'accord? Et on va bien rapprocher l'omoplate. On va faire ça de chaque côté. Ok? On est parti ensemble? C'est parti, vous me suivez? 4, 3, 2, 1. Hop, étire. Hop, étire. Encore. Hop, étire. Super. Hop, encore. Hop, super. Hop, super. Vous savez qu'il ne nous reste plus que les abdos après ça à faire? Hop. Et oui, les abdos, il faut toujours les faire. Autant les fessiers, on peut s'en passer. Autant les abdos, on ne peut pas s'en passer. Ok? Toujours. Excellent. Super ce que vous faites, les filles. Encore, encore, encore. 4. Et les garçons aussi. Encore 3. Super. Encore 2. Parfait. Et le dernier. Hop. Et tu relâches. Ça fait travailler l'épaule aussi, d'accord? On change de main. Ok, on a passé sur l'autre main. On est parti. Encore 4, encore 3, encore 2, encore 1. Et go. Tire. Ok, imaginez que vous sciez du bois. Bon, c'est plus de saison, l'hiver est terminé, mais on scie du bois quand même, d'accord? Allez, pousse. Hop, pousse. Hop,
pousse, hop, pousse. On se sent moins seul quand même. Hein. Et alors je vais vous dire, une patate pour la journée, après on pourrait démonter la maison. Hop, encore, hop, encore. Regardez ici, hop, voilà, hop, parfait, hop. Hop, c'est pour écouter les conseils de Cathy que j'ai tourné l'appareil. Hop, encore, encore. C'est bien parce que vous me donnez des conseils, parce que là on s'adapte. Hein. On vient d'ouvrir le groupe, on n'a pas tous les repères, donc j'écoute tous vos conseils. Mets-toi plutôt ici, mets-toi plutôt là, parle moins, parle plus. Enfin, parler moins, c'est dur pour moi. Je reconnais que c'est dur, hein. Je suis une vraie pipelette. Hop, ça me permet d'oublier le travail en fait, vous voyez. Je ne souffre pas comme ça. Encore. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et tu relâches et relâches. Good job les gars. Vous avez super assuré. On est parti pour les abdos, ok? Et après on s'étire un petit peu et le cours sera terminé. Si vous êtes resté jusque là, c'est que vraiment vous avez assuré un feu de Dieu, quoi. Alors, abdominaux classiques, ok? Abdominaux classiques, ça vous va? Allez, on va s'allonger au sol. On va pousser ça pour que la régisseuse puisse se filmer. Hop! Une main derrière la tête, une main vers le ciel. On décolle les omoplates et on revient. Hop, c'est parti avec moi. Vous avez vu le mouvement, vous le connaissez déjà, d'accord? J'ai pas besoin de trop l'expliquer. Ok, pensez à mettre les pieds près des fesses. On y va. 4, 3, 2, 1, c'est parti. On monte, on retient. On monte, on retient. Encore. On monte, on retient. On monte, on retient. On monte, on retient. Pensez à respirer. D'accord? Vous respirez normalement. N'essayez pas de souffler en montant ou en descendant. Gardez une respiration continue tout le long de l'exercice. Ok? Ça va trop vite pour pouvoir placer justement une respiration dessus. Ok? Alors vous montez et vous retenez. Et si vous voulez, avec la main qui est relâchée, vous allez chercher le genou là. Hop, ça vous donne un objectif. Ok? Allez, monte et retiens. Pensez à bien relâcher la tête dans la main ici pour ne pas tirer sur la nuque. Gardez la nuque souple. D'accord? Encore. Excellent, ce que vous sentez vos abdos, ils travaillent. T'es en décalage, papa. Je suis en décalage. Je suis désolé, ça c'est le réseau, c'est le flux. Vous savez quelle heure il est? Il est 10h05 et tout le monde se connecte sur le télétravail. C'est pour ça que le flux est en décalage. Encore, monte et retiens. Monte et retiens. Ça, j'y peux rien. Je travaille pas dans la fibre optique encore. Encore. 8. 7. 6. 5. Encore 4, encore 3, encore 2, regardez les filles et les garçons, vous restez ici en haut, ne bougez plus, on va attendre que tout le monde soit recalé, ok, ça nous permet de garder les abdos contractés pendant ce temps, sans bouger, d'accord, et 4, et 3, et 2, et là avec moi vous allez chercher sur un côté et sur l'autre, à droite, on pose, à gauche, on pose, à droite, on pose, à gauche, on pose, à droite, on pose, à gauche, on pose, à droite, on pose, à gauche, on pose. Allez, encore 8, encore 7, super ce que vous faites, encore 6, excellent, encore 5, encore 4, encore 3, on a bientôt fini, alors on s'accroche, on arrive au bout là, ok? On va rester tout petit que sur un côté, regardez, on presse tout petit ici. Tout petit ici, ok, vous êtes avec moi ici, voilà, on va chercher le genou opposé, encore, on presse, ça va chauffer sur les obliques, ça va chauffer sur les abdos, car ça a bien décollé votre épaule, ok, je vous rappelle qu'à la fin de la séance, sur ce chat, collez votre photo s'il vous plaît, ça me ferait super plaisir d'avoir tout le monde, de pouvoir mettre des visages sur tout le monde, hop, hop, et puis ça va permettre de faire une grande photo après, où on verra tous les gens qui ont participé, et on va faire le plus grand cours du monde, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, et on repart de l'autre côté, ok? Un côté, on revient, et l'autre. Allez, avec moi. Un côté, hop, et l'autre. Encore. On change de côté, hein? Hop, un petit bisou à ma soeur aussi qui doit se connecter. Ma soeur qui est très loin, que je ne vois pas. Hop. Toujours. Hop, super. Hop, et on reste tout petit ici, ce côté, c'est de l'autre côté, hein, c'est pas le même côté, hein. On a changé de côté, d'accord? Si vous ne l'avez pas fait, faites-le de suite, ok? Et vous restez petit sur ce côté-là. Allez, courage, je sais que c'est dur, je sais que c'est difficile, mais ça en vaut la peine, et vous savez quoi? On a quasiment fini là, ok? Alors je compte sur vous, ok? Il nous reste une minute de travail avant de s'étirer,
D'accord ? Encore, encore. Et 4. Bien. Et 3. Hop. Et 2. Super. Et 1. Repars alterne avec moi. D'un côté. Hop. De l'autre. Super. De l'autre. Encore, encore. Un côté. Parfait. Et l'autre. Dernière fois. Excellent ce que vous faites. Allez, les 8 derniers ensemble. 8. Premier juré, après on a fini. 7. Encore. 6. Encore. 5. Encore. 4. Encore. 3. Super. Plus que 2. Parfait. Le dernier, on va garder les deux épaules décollées ici. On tient. On tient. On tient. Bougez pas. On lève les jambes. Allez, simplement en tenant comme ça. Pas de mouvement. Vous décollez les épaules, vous décollez les jambes et vous essayez de sentir vos abdos. Essayez de les sentir ici, vos abdos. N'oubliez pas que c'est bientôt la plage. Hein. Encore 8 fois. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu relâches. Et tu relâches. Yes, super. Il y en a qui ont plus de son. Il y en a qui ont plus de son parce que Marie a la main sur le micro, non? Non. Non, mais non, elle n'a pas la main sur le micro. Est-ce que vous entendez là? C'est bon? J'y peux rien, c'est peut-être la connexion parce qu'il y a beaucoup de monde qui se connecte. En plus, c'est vendredi. Ok, regardez, on reste avec moi. Si vous avez plus le son, vous avez l'image. Alors regardez-moi, je vais mimer. Ok, on est assis ici en tailleur. Ok, et on va inspirer. Ok, vous lâchez ici et vous étirez sur le côté. Ok, vous revenez. Encore une fois, vous inspirez. Ok, vous relâchez. Si vous avez les bras qui tremblent, c'est bon signe. Hein, d'accord? Si vous avez les bras qui tremblent, c'est bon signe. C'est que vous avez bien travaillé. Ok, vous revenez. Ici, on va retirer le dos. Regardez. Mettez-vous ici. Ici, le dos rond. Yes. Allez, le dos rond. Et dos plat. Une dernière fois. Restez avec moi. Et inspirez. Ok. Revenez ici. On étire le triceps. Regardez, vous grattez votre coude et vous ramenez devant. Descendez l'épaule. On fait la même chose de l'autre côté. L'autre bras, vous ramenez ici. Super. Je sais que vous avez bien bossé chez vous. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. C'est l'objectif du matin, ça. C'est pour se mettre en forme et se sentir bien. Allez, on a terminé ici. On va juste se relever, d'accord? On ne reste jamais un coup assis en finissant. On prend appui au sol, d'accord? Ici, on pose un genou à terre. Ok? Et puis, on va simplement pousser sur les jambes et on se redresse. Dernière fois, on étire. On se grandit. Hop! On rajoute ici. Encore une fois. Grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. Et c'est terminé, je vous applaudis très très fort. Je sais que vous avez été au top, vous êtes resté jusqu'au bout de la séance. Vous avez fait une séance super qui était basée donc sur le haut du corps et sur le bas du corps. Ah, j'ai la régisseuse qui a compris qu'il fallait des pas. C'est pas beau ça, elle commence à avoir du métier la petite. Avec ma fille, elle m'a fait plein de gros bisous. Ma fille qui s'est levée spécialement ce matin avec le sourire parce qu'elle m'a dit eh ben, ça y est papa, on fait le direct, d'accord? Donc elle était contente. Je suis heureux d'être avec vous. N'oubliez pas de commenter maintenant sur le chat, d'accord? Et n'oubliez pas que je laisse tous les cours en replay pour ceux qui me demandent. Et pour ceux qui me demandent, tous les cours, c'est tous les jours à 9h30, d'accord? Que ce soit bien clair pour tout le monde. Tous les jours à 9h30, vous avez un cours. Et le dimanche, c'est surprise, je ne vous en dis pas plus, d'accord? Et pour ce qui est en fait du replay, les replays sont sur le groupe et vous pouvez les consulter quand vous voulez, d'accord? Ok? Je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez soin de vous. Pensez aux gestes qui sauvent. Et surtout, 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 passez une excellente journée pour ce premier jour de printemps. Je vous embrasse tous. Je vous aime très fort. Bisous, bisous.